En quelques mots, donc ça consiste à faire des films, tout simplement. faire des films, c'est quoi? C'est à partir d'une histoire, raconter quelque chose, et puis essayer de faire rêver les gens, si c'est au cinéma, essayer de raconter quelque chose, si c'est en entreprise, essayer de faire passer un message, si c'est de la publicité ou autre. Donc mon métier en deux mots, c'est ça. Je réalise, je tourne et je monte des films de communication pour entreprise. Il a commencé par cette envie donc d'être réalisateur, de passer par la case comédien pour justement la mise en scène, le savoir mise en scène, parce qu'il me semble que quand on raconte une histoire, il faut d'abord savoir la raconter et puis savoir diriger les gens qui vont être les interprètes de cette histoire. Donc pour ça, il faut commencer par là. Ensuite, mon cursus, il a été tout simplement et tout naturellement de passer par une école de cinéma qui a pu me donner les moyens techniques donc de pouvoir réaliser, de comprendre le côté technique cette fois et pas artistique, et de pouvoir lier les deux, artistique et technique, de façon à pouvoir réaliser des films, effectivement. 15 ans, 20 ans du court-métrage avec des potes, 20 ans au moment où je passais mon bac, création de ma première entreprise. Et puis voilà, ensuite, donc ça c'était. Ensuite, 10 ans après, j'ai créé une seconde entreprise qui a racheté la première parce que je me suis associé. Et voilà. Qualité d'écoute, ça c'est sûr. Le regard, bien évidemment. Et puis l'analyse. Je pense que c'est la passion. La rigueur, rester humble entre 1500 et 2500 euros. Il y a des mois, il n'y a rien, il y a des mois, il y a beaucoup, mais c'est à peu près ça. Et pas enfin, ça dépend aussi des années. Le matériel devient de plus en plus petit. Quand j'ai commencé en pro, il y avait le caméra Groscope portable bêta, après bêta, après il y a eu l'arrivée du A8. DVCAM, donc caméra de plus en plus petite. Et c'est vrai que maintenant, avec le numérique, on tourne avec un appareil photo, quoi. Alors moi, je suis indépendant. Il m'arrive d'être intermittent du spectacle. En règle générale, je suis indépendant, je fais des factures. Je travaille de manière générale, je fais du film d'entreprise. Je suis passé par la case cinéma à la sortir de aux sorties de mon école de cinéma. Mais bon, je l'ai fait un peu tard, cette école de cinéma. Donc, comme le cinéma, c'est quelque chose de hiérarchique où on évolue avec les années. Donc j'ai choisi plutôt de réaliser des films d'entreprise et de plutôt d'aller vers cette voie-là.